pour moi, tenir conseil est une vertu politique. Et le conseil d'origine, c'est le conseil de village, c'est le conseil des traditions. C'est-à-dire qu'on est, au fond, ce qui serait à se reposer, c'est que on a parlé des Lumières du XVIIIe siècle, et maintenant on redevient esclave de je ne sais quoi, de tas de conditionnements. Tenir conseil, c'est tenir debout jusqu'au bout. C'est tenir debout face aux difficultés de la vie, aux crises sociales, etc., etc. Donc, c'est donner des conseils, ce serait aliéner le pouvoir du sens de l'autre. C'est dire, au fond, c'est je lui donne mon sens et qu'il se débrouille avec. Ça ne me paraît pas correct par rapport au savoir. Donner des conseils, en général, de toute manière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est en plâtre sur jambes de bois, mais on continue, on se donne de l'apparence de. Mais ça demanderait peut-être alors à faire le suivi du conseil. Trop souvent, si tu te conduis en expert, tu as un entretien, puis il n'y a plus rien après.